Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Corentin de la Team Reptile 83. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui sera sur la présentation de mon serpent des blés, Pantherophis guttatus Goldust mâle âgé de 6 mois, que j'ai acheté ce matin à Jardiland. Alors en arrivant à Jardiland, j'ai une pas très bonne surprise, on va dire, parce que ce n'était pas l'éleveur de chez Colobia Snake, c'était un autre éleveur qui se situe sur Avignon. Alors, le serpent était vendu dans une petite boîte comme ça, avec des aérations sur le côté, presque on dirait une boîte à criquets. Alors, il fait environ 35 à 40 cm, j'ai mesuré tout à l'heure, je ne sais pas où il est, parce que j'ai dû recommencer la vidéo plusieurs fois pour quelques problèmes techniques. Donc, en plus, je dois éviter trop de manipuler aujourd'hui. Voilà, alors il est ici. Voilà, on voit bien du doré. Alors je crois qu'il en a un peu marre de moi là. Voilà. Je vais essayer de le déployer tout son corps. Alors voilà, on peut voir qu'il est grand quand même. Hein. Voilà. Je vais pas le manipuler aujourd'hui parce que je l'ai déjà, comme je vous l'ai dit, touché plusieurs fois. Voilà. Alors ce sera sur une autre vidéo manipulation de mon serpent à moi, pas celui de moi. Et là j'ai trouvé un bâton pour mettre dans mon terrarium. Voilà, comme ceci. J'ai enlevé tous les écailles qu'il y avait dessus. Et avec Thomas, on va faire une vidéo sur la stérilisation de ce bâton. Ici, j'ai ma fiche de suivi. Alors, le serpent, j'ai payé 70 euros. Voilà, il est né en 2000... Il est né le mois de novembre 2014, pardon. Voilà, donc il a 6-7 mois. Son repas, le dernier, il a été mercredi 15 avril 2015, bien sûr. Et je vais vous montrer quelque chose, une petite surprise, parce que je vais peut-être accueillir un deuxième serpent. Alors, on se retrouve devant le rack et à tout de suite. Alors voilà, on se retrouve devant mon rack que j'ai percé moi-même, mais les trous ne sont pas encore finis. Alors voilà, c'est un bac en plastique, hein, à la base qui était une colonne de 3 bacs, que j'ai démonté, j'ai juste pris le toit, le support en dessous. Voilà, le serpent ne peut pas s'enfuir parce que le bac frotte. Alors, mon rack, le voilà. Il n'y a rien dedans encore, hein, mais je vais prendre un Pantherophis guttatus. Voilà, j'ai fait une cachette moi-même avec une bouteille. Il y aura sûrement aussi une petite vidéo là-dessus, comment faire sa propre cachette. Il y a plusieurs techniques. Voilà, j'ai mis du substrat. Il me manque plus que le tapis chauffant que je vais acheter en même temps que le serpent, je pense. Et la gamelle d'eau et la deuxième cachette. Voilà. Le perçage, je l'ai fait comme ça. Bon, voilà, il y a quelques endroits où le plastique a craqué. Et il y aura sûrement aussi une vidéo sur le perçage d'un rack. Alors, on va se retrouver devant mon terrarium et on se dira à plus. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était une vidéo d'un temps normal sur la présentation de mon serpent. Alors là, mon terrarium chauffe à 29,3. Voilà. Sachant que sur cette boîte, vu que c'est pas les verres de Colobia Snake, ils disent rien. Juste le nom et le prix du serpent. Voilà. Et on se retrouvera pour toutes les autres vidéos. Là, il y en a 3-4 en projet avec Thomas. Donc voilà, je vous dis à plus.